I used to design for gods. Hmm, but perhaps you come with a challenge, eh? I was surprised to get your call. Bonsoir et bienvenue dans It's Live, une émission signée les dés sont jetés dans laquelle on va discuter jeu de rôle, mais sans lancer de dés cette fois-ci pour donner vie d'une manière un peu différente à notre loisir préféré. Pour cette émission crash test, je serai accompagné de Basile. Salut Basile, comment tu vas Salut Goldie. Eh ben écoute, ça va très bien, très heureux de lancer ce nouveau format. Jeter ai des dés c'est bien, mais de parler un peu de Comment on fait les choses quand on joue pas, c'est bien aussi. Avant toute chose, euh, si jamais vous écoutez cette introduction et cet épisode en podcast, sachez que pour pouvoir participer à l'émission, il faut nous suivre sur les réseaux déjà pour euh, savoir quelle sera la prochaine date de l'émission. Et puis, il faut venir en live sur Twitch, sur euh, twitch.tv/slash tout attachés et sans accent pour pouvoir participer dans le chat et dire ⁇ Moi, 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 j'ai mon avis à donner sur le sujet et passer en direct sur la radio libre. On va pouvoir passer donc à la thématique numéro 2, thématique qui s'appelle la liberté d'action. À quel moment doit-elle s'exprimer ou s'arrêter Jusqu'où pouvons-nous laisser libre cours à la liberté de nos joueurs et joueuses ouais, Je peux te laisser commencer si tu veux. J'ai pris la parole en premier sur le thème. Euh, ouais, tout à fait. Alors euh, là-dessus, sur ce sujet, moi je vais avoir un principe euh, général euh, qui, va, euh, qui va driver à peu près tout ce que je fais. C'est-à-dire que euh, je ne vais brider aucune idée qui soit cohérente avec l'univers dans lequel on est. Euh, C'est-à-dire que si. Hein, et, et cohérente aussi avec le personnage qui la propose. Euh, admettons, euh, le paladin euh, dans un groupe dit. Ah ben bah, euh, moi, telle personne que j'ai devant moi, c'est un hérétique et euh, j'ai vu qu'il avait fait des, des, des exactions contre les dieux, je vais l'emmener à la justice. Bon, j'avais prévu que ce PNJ soit euh, un PNJ clé, euh, avec euh, une quête, etc. Bon, bah, c'est pas grave, euh, j'accepte. Globalement, je vais, je vais reprendre comme le sketch d'Arthus, hein, j'accepte. Voilà. Euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez le voir, c'est très bon sketch. Et, euh, et du coup, par contre, s'il si me dit, ah bah, euh, si, si on sort complètement de là et qu'on est face à une personne qui déborde par rapport à son personnage ou par rapport à l'univers dans lequel on est, euh, je vais stopper tout de suite la liberté. Ou euh, là, si le mec il dit, ah bah, je suis face à un dragon, euh, le dragon il est, euh, il est en. Il est en train de dormir et lui dit oh « bah je vais essayer d'aller le chevaucher ». Bon là, clairement, t'es hors de euh, ce que ton personnage déjà ferait face à un dragon, parce qu'il est censé quand même avoir un peu peur face à un dragon. Et euh, concrètement, euh, tu vas pas y arriver à chevaucher le dragon, parce qu'il faut pas déconner quand même. Donc là, c'est le genre de liberté où je, vais, euh, où je vais arrêter tout de suite, personnellement. Après, si on doit aller sur... Cette liberté de, de, de connarration et d'action, on va dire. Après, il y a d'autres libertés dont on parlera, mais euh, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, de ton côté. Globalement, assez d'accord. Euh, moi, j'ai une flexibilité scénaristique. C'est-à-dire que généralement, comme je suis flemmard, j'ai assez peu préparé. Donc, de toute façon, on peut, euh, peut s'écarter assez vite et j'arriverai à, à, à rebondir. Ça, c'est parce que j'aime beaucoup euh, l'impro. Euh, évidemment que ce soit cohérent, que ce ne soit pas une action qui va euh, pénaliser, voire peiner mmh. une autre personne autour de la table. C'est-à-dire que si je reprends l'exemple du paladin, euh, ils vénèrent telle divinité et puis ils sont invités dans la maison euh, des parents d'une autre joueuse et que les parents, eux, ils vénèrent une autre divinité et que lui, le paladin, il dit, c'est des hérétiques, il faut brûler leur maison. C'est peut-être cohérent avec le personnage. Bon, à brûler la maison, de toute façon, les, les gens qui veulent brûler peu. des trucs, c'est too much. C'est un peu les meurtres de robots là-dessus. Ou alors, simplement, il rentre en conflit, tu vois, d'une manière très forte. Du coup, il va monopoliser un RP. Là, j'en tape mon micro. Du coup, il va monopoliser un, un moment pour faire du RP conflictuel avec les parents qui vont rien apporter. Alors qu'il y a potentiellement un, un RP attendu par la joueuse, d'ailleurs, euh, dont, dont c'est les parents. Euh... Voilà. Et du coup, elle peut être, ça peut priver quelqu'un de d'un moment de RP qui était attendu. Euh, et, et là où j'ai envie de dire euh, non, c'est parce que il euh, y a il y avait mieux à faire mmh. potentiellement, éventuellement, d'avoir une discussion sur les croyances de chacun et d'avoir un peu une, une discussion théologique et enrichissante qui va peut-être faire évoluer. Euh, un peu la vision du, du paladin qui va peut-être faire évoluer un peu la vision des parents quand il quand y a un truc qui semble un peu évident de mieux ouais. alors le mieux c'est toujours relatif mais de dire voilà non là euh, y il avait, y avait quand même, euh, quand même autre, chose, euh, autre chose à faire euh, sur la liberté après ça va quand même beaucoup dépendre aussi des, des jeux, c'est à dire qu'il y a quand même des jeux qui ont une orientation pour quand ouvrir on les règles vérité, etc. qui vont okay. dire voilà tous les jeux euh, euh, bah, le Monster of the Week qu'on qu fait, il est fait pour la connarration. Mmh. Donc, mon si ça ouais, on ouvre euh, on assez est prêt. fortement sur ce sujet-là. Ouais. On, euh, on est prêt pour ça. Si on joue à, à Donjons et Dragons, on est peut-être selon le type de campagne, et du coup, là, c'est important qu'il qu se soit annoncé aussi en session zéro. Mmh. C'est-à-dire, ok, euh, je vous préviens, là, moi, je vous prépare une campagne qui est assez. Euh, qui est assez euh, Cadré, assez linéaire, mais si vous jouez le jeu, euh, ça peut être très très fort. Parce que des fois, le manque enlevé de la liberté, ça peut être aussi un facteur d'immersion, parce qu'on va contrôler davantage son périmètre. J'y pense à la dernière partie de Donjons et Dragons que j'ai fait, j'ai fait un one-shot qui se passe sur une île où on ne peut pas partir pour des raisons X ou Y. Là, j'ai clairement réduit la liberté, mais j'ai pu mettre à l'inverse un peu plus d'intensité. Bon, en plus, il y avait la question du one-shot et du timing. Mais j'avais du coup des persos plus travaillés, une histoire un peu plus, un peu plus forte. Donc bah, moins de liberté, pour... ça ne veut pas dire une moins, un moins bon jeu, une moins bonne session, une moins bonne campagne. Bah non, 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 au contraire, ça peut, selon, selon le contexte et selon le jeu, ça peut être aussi garant de s'assurer de, de, de l'épicness de, de la session, du fait qu'elle qu avance potentiellement. Ou euh, comme dans, dans le cas de la, de la saison 3, là le quand on a fait euh, comment dire le, le, le flashback de la famille d'Eldebaf bon alors c'était très cadré c'était linéaire il y avait euh, il y avait un, un scénario qui était qui était déjà écrit moi je leur donnais et après en fait c'était de la liberté d'interprétation mais c'était pas pour autant que ils l'ont pas vécu d'un point de vue émotionnel et que ça leur a pas permis de mettre en valeur euh, D'autres éléments du, euh, du scénario par la suite, euh, qui, qui n'auraient pas été autant euh, soulignés s'ils n'avaient pas eu la liberté de pouvoir euh, interpréter ces personnages-là et euh, de vivre cette scène qui était très cadrée, hein, parce que ils ont beau avoir essayé tout ce qu'ils pouvaient pour, euh, pour empêcher les parents d'Eldebaf de mourir. Euh, et bien, euh, c'était quand même ce qui devait arriver, puisque dans le temps euh, réel, ces personnes-là étaient, étaient décédées. Donc, euh, donc on Et doit là, suivre on va... <laughs> ouais. Là, je vais du coup m'adresser peut-être un peu plus euh, au MJ, parce que sur la thématique précédente, on a parlé beaucoup de choses à adresser aux joueurs. Ouais, mais euh... pas forcément que ça, parce que du coup, il euh, faut, faut aussi qu'on imagine le cas où il n'y a pas de MJ. Alors oui, on va moi, <laughs> en parler après, mais du coup, sur cette question de liberté, euh, les MJ qui ont un truc parfaitement cadré et qui ne laisse rien dépasser d'un poil, euh, vous êtes nuls. Voilà, <laughs> je vais le dire aussi simple que ça. Vous avez pas, vous avez pas compris le jeu de rôle. Euh, les joueurs et joueuses ne sont pas des comédiens pour faire vivre votre scénario. Ils sont eux-mêmes des gens pour euh, pour euh, vivre votre aventure. Et donc dans vivre, il euh, y a liberté. Donc, quand je vois des gens qui donnent des techniques sur comment être sûr que vos joueurs et joueuses, ils restent dans les rails et tout, euh, faites autre chose en fait. Genre, je ne sais pas, écrivez des pièces de théâtre ou des trucs comme ça, mais arrêtez le. Allez, on, on était sur la première et la dernière de It's Live. On... <laughs> on va être resté Non, red mais red... il <laughs> y, y a des fois ce truc un peu de, 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 de Lego Trip, de Ah, j'ai pondu un truc tellement bien, c'est génial, il faut à tout prix que. Si vous n'allez pas là vraiment, vous allez manquer un truc de dingue. Bah, en fait forcément à toi d'en juger. Alors on a des trucs où on est fier de ce qu'on a préparé et, et on a envie qu'ils y aillent. Mais alors dans ce cas-là, si on a créé un truc hyper fort, et eh ben c'est pas forcer le chemin qui est la bonne solution. C'est de faire que tous les chemins mènent à cette chose-là. Et voilà. Et là, drop zomic, il a tout dit et euh, fin de l'émission. Salut. <laughs> non non mais le. Enfin c'est pour ça c'est dire sur la liberté. Bah on dit aux joueurs partez pas dans tous les sens mais on dit aux MJ aussi euh, laissez les parties. pas les gens de, de vivre et de et de c'est ça moi de toute de... façon c'est un ouais, truc voilà. que je dis globalement c'est que euh, voilà. en fait euh... j'ai pas non mais j'ai pas réussi à la fin j'ai vu que <laughs> c'est très net ta phrase <laughs> non mais euh, moi c'est un truc que, que je dis globalement en fait euh, généralement j'écris un scénario euh, d'une certaine manière j'attends que les joueurs jouent ce scénario mais euh, en fait, la seule chose que j'attends de voir, c'est à quel moment ils vont casser le scénario. À quel moment ils vont sortir de la ligne de ce que j'avais prévu pour me dire Ok, ça y est, là on est sorti des rails, on part sur un truc un peu plus intéressant. Et il va falloir que j'adapte mon écriture parce qu'enfin, ça y est, ils se dévoilent. Et c'est ça qui est le plus important pour moi quand on est, euh, quand on est autour d'une table c'est que des, euh, des MJ qui, euh, qui bloquent leurs joueurs. C'est des MJ qui ne veulent pas apprendre à connaître leurs joueurs. Alors que des MJ qui, euh, qui savent s'adapter, qui ouvrent la possibilité aux joueurs de sortir du cadre, de sortir du rail, c'est des MJ qui, d'une manière générale, et c'est pour ça que je conseille toujours de faire un bon gros bac à sable hein, dans, dans les premiers scénarios qu'on fait, parce que de toute façon on va laisser les joueurs aller dans le sens qu'ils veulent, en fait quand on fait ça, on apprend à connaître la manière de réfléchir de nos joueurs. Et en, en faisant ça, potentiellement, on va pouvoir mieux anticiper de potentiels plans qui mettront en œuvre plus tard. Le but n'étant pas de les restreindre sur des plans qui vont mettre en œuvre eux-mêmes, mais de mieux gérer l'improvisation par la suite et de savoir, bon, alors là, je sais que je les mets dans une situation où ils ont le choix entre A et B, mais je sais que la solution Z, elle est aussi possible. Parce qu'ils vont tourner le problème dans tous les sens et que si ça se trouve, ils vont, ils vont entrer par la sortie plutôt que par l'entrée. Et la liberté, elle va permettre euh, aux joueurs et joueuses, s'ils jouent le jeu, de ne pas faire n'importe quoi, <coughs> d'appréhender leur personnage, l'univers, et souvent ils vont se mettre à théoriser des choses. Ils mmh. vont apporter aussi de la profondeur justement en disant, ah bah tiens. Il y a ouais, ce village-là, on va mettre un village et dire « Ah, j'y étais passé quand j'étais gamin, je me souviens, il y avait une statue comme ça. Euh, » l'idée, euh... de créer de l'implication, en fait. Ouais. Ça, concrètement. C'est ça. Si vous ne laissez pas les gens, si les gens, c'est juste vos acteurs, et euh, eh ben ce sera à vous de les guider tout le temps et ils vous offriront rien, parce mmh. qu'ils auront peur. Parfois, ils vont, on va arriver au cadre, ils auront peur de, de casser votre scénario si vous les avez trop, euh, trop bridés. Du coup, il n'y aura plus de prise d'initiative. Et euh, moi, j'ai des, des joueurs avec qui jouent depuis un peu plus d'un an, une campagne euh, où j'ai écrit la session 1 et depuis, j'improvise, c'est-à-dire que je rebondis. Je ne sais pas où ça va aller. Enfin, maintenant, si je sais, parce que ça fait un an qu'on joue, mais je ne savais pas où ça allait aller. Et en fait, c'est leur théorie, c'est là où ils ont voulu aller voir. Je me suis dit, tiens, ils ont envie d'aller dans cette région-là. Bah, ok, mmh. j'avais prévu qu'il fallait qu'il y ait un élément déclencheur qui les fasse comprendre une partie du lore. Euh, est lié bah en fait mon élément déclencheur j'aurais pas pensé moi le premier en premier en première idée de le mettre là mais finalement je dis bah ils ont l'air de vouloir aller visiter par ici bah en fait c'est pas grave ils doivent trouver que il y a eu euh, à une époque une alliance entre euh, un magicien un occultiste et un clerc mmh. pour combattre un démon bah, cette alliance là ils peuvent la trouver n'importe où en fait ouais. si on considère tu il, il j considéré que c'est euh, ouais. Ces trois héros du passé, de toute façon, ils avaient voyagé dans tout le continent. Donc, Donc oui, il y a il il toujours quelqu'un qui va être capable d'apporter l'information. Et c'est pas à nouveau au temple englouti euh, de je sais pas qui, forcément entre le royaume de Tarlurg et euh, de Menios Perec, que euh, <laughs> se trouve ce temple-là. C'est des vrais noms dans ton monde, ça Non, pas du tout. <laughs> Pour faire médiéval. <laughs> euh, non mais oui, mais du coup, enfin euh, moi ça me fait penser à quand, quand t'écris une enquête, euh, t'as as des gens qui sont parfois frustrés quand ils font jouer une enquête à leurs joueurs parce qu'ils se disent ah non mais euh, ils sont teubés, ils n'arrivent pas à trouver la solution, ils vont ils vont pas poser les bonnes questions aux bonnes personnes au bon endroit. Bah posez-vous la question peut-être de est-ce que vraiment la réponse elle est accordée à la bonne personne au bon endroit parce que moi, généralement, quand, quand la, la logique des joueurs, elle n'est pas illogique, c'est juste que ce n'est pas forcément la vôtre. Et la logique qu'ils vont aller chercher, c'est peut-être une logique à laquelle vous n'aviez pas pensé, mais ça n'en fait, en fait pas une mauvaise logique. Et donc, il faut ouvrir ce genre de possibilités, faut, et il faut, faut surtout récompenser les initiatives dans le jeu de rôle, et c'est ça le plus important. Récompenser toujours les initiatives dans le jeu de rôle. Même les mauvaises, hein, euh, même si tu vois le, le, le résultat n'est pas totalement ce qu'ils attendaient, mais que ça donne une partie de réponse. Parce qu'au final, euh, c'est ça qui est le plus important, c'est d'offrir la possibilité aux gens d'imaginer des possibles et d'aller de sortir un petit peu du cadre pour essayer eux-mêmes de réfléchir d'une manière un peu différente de ce qu'ils ont l'habitude de penser au, au quotidien. Et pour revenir sur le principe d'une enquête, pour moi, quand tu écris une enquête, tu as ta situation... Qui, tu, tu, tu écris ce qu'il s'est passé. Donc ça, c'est ça qu'ils doivent résoudre, c'est ce schéma-là qu'ils doivent, qu doivent comprendre. Tu l'écris pas en mode, alors là, ils vont trouver ça comme info, ça va leur faire penser que le mec il a été tué par un couteau long, etc. Non, ça marche pas. Tu fais d'abord ta scène, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il meure Ok, il a été agressé par ça. Le tueur il est passé par la fenêtre, etc. Et après, en fait, tu fais, tu fais des faisceaux d'indices que tu vas identifier par rapport à cette scène et ces indices en fait tu les stockes juste dans un coin mais tu les associes pas forcément à un pnj à un lieu etc et à côté tu vas écrire tes lieux tes pnj tout ça et en fait selon là où vont les joueurs bah ça va être à toi de prendre ton pnj et dire bon alors lui je vais le coller sur tel indice à tel endroit il a vu ça ok donc il a récupéré ça et ce qui va permettre de euh, d'être un peu plus souple sur tes joueurs vont aller voir, etc. Ça t'empêche pas de noter des bribes d'informations comme quoi un tel euh, il habitait l'appartement du dessus et il a entendu des bruits. Ah bon, bah ils vont aller le voir pour savoir ce qu'il a entendu précisément. Euh, un autre tel, il, on sait qu'il a l'habitude de passer dans ce quartier là à peu près à cette heure là pour promener son chien. Peut-être qu'il a vu mmh. quelque chose et en fait donner la, la justification de pourquoi ils vont aller voir les PNJ, mais derrière, s'il y a un PNJ qu'ils vont pas voir, pas faire en sorte que ce PNJ avait la solution, la clé à, à toute l'énigme pour leur permettre quand même d'avancer, Parce que sinon, on, on risque de créer de la frustration. Et ça, c'est absolument pas ce qu'on veut en jeu de rôle, créer de la frustration. Ouais. Sur les scénarios d'enquête, d'ailleurs, c'est peut-être sûr, ce, on a le plus de mal à laisser euh, de la liberté, aussi dans la liberté de rythme. Moi, je sais que j'ai déjà mmh. joué des scénarios d'enquête où c'était très bien écrit, il y avait beaucoup de choses euh, de prévues. Mais du coup, euh, pas de place pour le RP. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on qu démêle tac, la tac, pelote. Tac, tac, tac. Ouais. Et, euh, et même en, en traçant, parce que j'ai vu assez rapidement, OK, il euh, va falloir avancer. Euh, la session elle avait duré 6 heures. <laughs> euh, et moi, j'ai dit à la fin, bah, en fait, c'est pas ce que j'aime en jeu de rôle. Et là, euh, là, pour le coup, on est vraiment sur une histoire de, de goût et de ouais. comment on veut jouer, un pas de bien ou, ou pas bien. Mais... Euh, euh, moi, du coup, j'ai pas pris du plaisir à juste, euh, à juste relier, euh, relier des points, quoi. Ouais. Parce que j'avais passé du temps à faire mon personnage, euh, à l'incarner. Voilà, c'était du werewolf. Moi, le gars, c'était un, un Irlandais. Il y avait tout un truc. Il, 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 il avait un petit penchant pour la Guinness. Il adorait, <laughs> il adorait <laughs> inventer, se faire des, des, des potes. Pourquoi pas un peu la bagarre, tout ça. J'ai rien. J'ai rien, rien fait de tout ça, j'étais un peu sur le cliché, mais j'avais envie de le, jouer, de le jouer comme ça et j'ai pas pu. À l'inverse, euh, sur les Monsters of the Week qu'on fait, moi en termes de préparation, j'ai quand même une contrainte de dire bah, il faut qu'on ait la place pour du RP, parce que vous aimez bien ça. Euh, on a une bande quand même de joyeux rigolos, donc il faut qu'on ait le temps de, de s'amuser un, un peu. Et. <laughs> Et il faut que ça tienne euh, le temps d'un stream, parce que là, pour le coup, en termes de durée... Ouais, c'est euh, plus, euh, plus gros la plus grosse contrainte qu'on peut avoir, nous, sur nos, sur nos parties en live, quoi. et ben, en fait, c'est simple, et ben, je prépare moins. C'est que j'ai... Euh, euh, par exemple, le, le très bon exemple, celui où j'étais le plus inquiet, on va dire, sur le rythme, c'était l'épisode au musée, parce qu'on avait en plus l'Incus qui jouait avec nous, donc on avait ouais. une personne en plus sur le temps de parole. J'avais... Absolument pas prévu que vous alliez aller dans le bureau du conservateur alors que c'était la victime. Donc, déjà, moi, j'ai manqué un truc dans, ma, dans, mes, dans mes possibilités. Ça, ça peut arriver. Alors, retenez ça aussi vous n'êtes pas infaillible en tant que MJ. Quand vous y êtes allé, je me suis dit bah oui, c'est logique, évidemment qu'ils vont aller là. Bah, en fait, en plus, dans mon Soir of the Week, on raisonne pas mal par trouver des indices dans des bouquins. Euh, des objets un qui vont donner. <laughs> je me suis, dit, bah, en fait, j'avais des bouquins prévus, il y avait des, il y avait des, des gravures, des choses comme ça. Je sais plus exactement ce que c'est, mais je suis dit bah, go, ce sera dans le, dans le bureau du conservateur. Je pense qu'il y avait des trucs qui étaient plutôt prévus pour être dans la, la maison saint Bon, et, euh, et du coup, euh, et du coup, très bien. Euh, L'indique qui vous dit qu'il a vu un mec chelou euh, récupéré et tout. Là, pour On le coup, il était au bar. Mené, euh... Voilà. Il était au bar et j'avais prévu qu'il soit au bar parce que c'est un peu un lieu clé de nos aventures. Mais c'est un indique. Donc en fait. Euh... Il aurait pu être n'importe où. quoi. Quelqu'un qui, qui a vu quelque chose alors qu'il n'était pas censé être là, il y a 10 000 possibilités. Ouais. Et du coup, euh... c'est très bien. Et en fait, euh... et en, fait bah, en faisant ça, vous m'offrez des idées euh... des idées euh, chouettes. Euh... Et. Euh... Et du coup, je, je, rebondis, je rebondis sur ça avec plaisir. Et ce qui me fait penser au final, que tu vois, quand on parle de laisser ou non la liberté d'action aux joueurs et à quel point est-ce qu'on la laisse s'exprimer, je pense que la plupart du temps, cette volonté de mettre les joueurs sur des rails et de, euh, qu'ils suivent scrupuleusement le scénario et qu'ils sortent pas trop de ce qu'on avait prévu, c'est avant tout, je pense. Une crainte de l'improvisation et un manque de confiance en soi vis-à-vis -vis de, de ça, du fait de pouvoir rebondir sur des situations et de pouvoir rebondir sur, euh, sur bah, où est-ce qu'ils vont pouvoir trouver l'information alors qu'ils ont brûlé la maison dans laquelle il était censé y avoir les indices, par exemple. Euh, et, et ça, rien ne vous empêche de dire, bon, en fait, là-dedans, il y avait des indices, mais tous les indices. Ils ont été récupérés par les forces de l'ordre après le, le, après le crime. Et donc du coup, ils sont tous au poste de garde. Donc euh, du coup, tu vois, tu, tu peux déplacer les éléments. Et il faut pas hésiter à, à essayer de brainstormer un petit peu avec soi-même pour sortir de ce schéma-là. Mais ça pour ça, je rappelle qu'on a une bonne vidéo sur... Comment gérer l'improvisation en jeu de rôle mmh. dans les vidéos conseils sur la chaîne. Donc, je, je suis une petite publicité pour, pour les vidéos de la chaîne, hein, évidemment. Mmh. Mais n'hésitez euh, pas à aller voir ça. Et sur la, sur la liberté euh, d'improvisation que s'accordent les MJ, euh, et la peur de un peu bafouiller, un peu chercher ses mots, etc. Euh, je vais poser une, une réflexion. Je ne dis pas du tout que que c'est ça, hein, mais c'est quelque chose qui mériterait peut-être qu'on qu en fasse un thème plus tard. Euh, moi, je joue avec des gens qui ont entre 19 et 51 ans, okay. euh, pas sur les mêmes tables. Euh, <laughs> les les plus vieux, vieilles MJ, euh, alors au-delà de l'expérience qu'ils ont, en fait, euh, ils ont joué pendant très longtemps à une époque où il n'y avait pas de modèle il n'y avait pas d'actual play notamment. Mm, oui. Et que du coup, bah, ils ont vraiment commencé à jouer en disant, bah, on joue entre potes, et que donc si je bafouille, si je cherche mes mots, si, euh, si je ne fais pas une voix, etc., ce n'est pas grave. Euh, les plus jeunes, j'ai l'impression qu'il y a voilà, ce qu'on entend parfois comme le, le Mercer Effect, la, la pression ouais, qui, est, qui est mise de dire, enfin, on pourrait, on pourrait l'appeler le... Le Julien Dutel Effect en France ou le Lucien Mène Effect, oui, je ne sais euh, pas. Mais la pression de. Il ne faut pas qu'il y ait de temps mort, il faut que je sache faire des voix, il faut que je rebondisse, tout ça. Ouais, puis il y a une Alors part de, de, syndro de syndrome de l'imposteur aussi, je pense. Euh, Bien sûr. Alors, le, ça, le doute, syndrome de l'imposteur, je de pense qu'il existe, tout ça, ouais. à, mmh. à, il existe à, à tous les niveaux, mais ouais. avec les, les actuels plays, il y a la barre qu'on s'impose qui est peut-être un peu plus forte. Mais aussi, parce que quand on est spectateur et embarqué dans des aventures avec des gens qu'on aime suivre. Et en fait, on est beaucoup plus tolérant et que ce n'est absolument pas pour critiquer euh, le travail des gens qui font des Actual Play, parce que déjà, <laughs> j'en fais partie et euh, je suis loin d'être le meilleur, donc je serais mal placé. Mais si vous avez un peu trop la pression, allez réécouter des Actual Play en vous focalisant, en essayant de voir à quel moment ça bafouille. Il y a un peu un blanc, il y a un, une phrase qui a un peu ripé. Il y en a, il y en a chez tout le monde, plus oui. ou moins, évidemment, mais en fait. Quand vous êtes spectateur de gens que vous aimez beaucoup, vous pardonnez tout. C'est comme quand vous regardez un film de votre acteur préféré, le jour où il est un peu moins bon, vous le remarquez oui, pas puis, forcément. C'est surtout aussi que potentiellement, vous, vous avez été bercé avec justement euh, La Bonne Auberge ou, euh, ou Roland Play ou les dés sont jetés, hein, qui sait. Euh, et, euh, et au final, euh, bah, les gens avec lesquels vous allez jouer, peut-être que vous les avez initiés, donc eux n'ont pas forcément vos références. Soit ils les ont, mais du coup, de toute façon, ils viennent là pour jouer. Et euh, ils s'attendent pas à ce que euh, vous soyez Lucien Mène. Ils s'attendent pas à ce que vous soyez Julien Dutel. Ils s'attendent à ce que euh, ils vivent leur propre, euh, leur propre aventure. Parce que sinon, ils seraient allés voir directement euh, Lucien Mène et ils auraient demandé, euh, ah, bah, est-ce qu'on peut faire le scénario qu'a qu vécu euh, la Compagnie du Baluchon Sauf que là, c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent vivre leur propre aventure avec vous. Donc déjà... Libérez-vous de cette charge-là. Généralement, les attentes que vous vous mettez sont largement au-dessus des attentes qu'auront vos propres joueurs et joueuses. Ouais. Euh, je vois des, des remarques intéressantes. On n'a pas beaucoup lu le, le chat, mais là, il y a des mmh. choses. Oriane euh, qui dit effectivement, quand on veut s'y remettre, se plonger dans des AP, en fait, ce n'est pas, euh, pas forcément une bonne idée. Il ouais. y a euh, Imagine ton aventure qui dit la bonne auberge, c'est intéressant sur ce, sur ce sujet, sur ce sujet pardon. parce que le MJ Lucien donc quand on écoute espace beaucoup les parties dans ses phrases. Il parle doucement et cherche ses mots malgré son expérience. Et effectivement, en fait, ouais. il a travaillé je pense son intonation. Moi aussi je parle assez lentement pour avoir le temps de faire venir les idées. Et euh, Alors ça c'est très bien de moi, le une technique différente. J'ai les idées qui viennent quand je parle. <laughs> Mais voilà, mais je pense que c'est la même chose, c'est que le, la vitesse de, de parole aussi elle, elle permet à ça, c'est des, des très bonnes, des non, très complètement. bonnes remarques. Et, et d'ailleurs euh, on va, on va peut-être... Euh... Parce que sur notre thème, je me permets juste, sur oui. le thème de la liberté comparez pas aussi avec les actual play quand les gens font ben des parties sur, sur Twitch, peu importe le niveau, on sait qu'on est dans un cadre où on, a, où on a des viewers où on a un timing, etc. Donc forcément... Euh, on va suivre, être plus attentif à suivre ce que euh, nous met le, le MJ euh, en avant pour, pour et on euh, va être attentif ça. au rythme aussi, puisqu'il faut ne faut pas oublier que sur ces parties-là, euh, alors sur euh, sur euh, Roll Play, ce sont des acteurs, donc ils ont la notion de, de, de rythme euh, qui, qui, qui est propre au, au cinéma. Euh, et quand on, est, euh, quand on est en live, euh, la plupart des gens avec lesquels on joue, nous, ce sont des streamers. Et les streamers, c'est pareil. Ils ont une notion de ce qu'est, on va dire, l'entertainment, le, euh, grossièrement parlant. Et donc, du coup, le fait d'occuper l'espace de parole et d'éviter qu'il y ait un trou. Donc, au final, ces, ces gens-là, instinctivement, ils vont savoir prendre de l'espace sur une table. Ce qui n'est pas forcément le cas autour de votre table, et ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein. sachez-le. Les silences sont une excellente chose dans une narration ou euh, même dans une ambiance de jeu. Un silence de mort après un combat qui s'est mal passé, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Et ça, on ne l'a jamais dans un actual play, ou très rarement. Parce que c'est rare que les combats se passent mal dans un actual play. <laughs> On a fait une petite dégression, je vais raccrocher un peu sur la, la thématique de la liberté d'action qu'on laisse ou non. Euh, donc, on disait, on a parlé un peu de euh, l'EMJ, comment ne pas, trop, euh, euh, ne pas trop brider et tout ça. Du côté joueur-joueuse, sachez aussi que bien souvent, dans une aventure, il va y avoir des moments un peu plus scriptés, des moments un peu plus ouverts. Donc, essayez d'être attentif aux signaux que vous donne euh, votre MJ, qu'elle a peut-être euh, euh, mis de manière très claire par le cadre euh, géographique de où vous êtes à ce moment-là, ou simplement par la tension, euh, euh, la tension écrite, euh, la tension décrite, pardon, pour vous dire, ok, là on a eu un moment où on pouvait partir un peu dans tous les sens, on pouvait fouiller le, le royaume comme on voulait, là, visiblement, à partir du moment où on a trouvé cet indice, l'indice, la manière dont il nous est apporté, nous met un peu l'attention, ça peut être par en disant que si vous faites pas ça avant la troisième lune, ça va être la cata, qu'il euh, y a des gens qui sont en danger. Bon, mm. bah là, il y a un indice qui nous dit, ok, maintenant, focus un peu sur l'objectif. Ouais. Et ça, c'est important. Et normalement, une aventure assez sympa. Elle va avoir des moments avec beaucoup de, enfin, elle va avoir les, les différents types de moments. Mais du coup, bah, à vous de voir justement pour que ce soit sympa pour tout le monde, de dire ok, là c'est cool, c'est le bac à sable, on fait un peu, euh, on peut aller où on veut et puis globalement ça retombera sur ses pieds. Et là, ah, bon, là on nous pointe clairement que on va arriver dans une séquence un peu moins libre. Prenons-la en main. Euh, et mobilisons notre attention à faire que cette séquence elle soit immersive, elle soit mmh. chouette, elle soit marquante. Euh, on a un petit peu dépassé le, le timer qu'on qu s'était mis initialement. On, on aimerait faire intervenir potentiellement quelqu'un dans le chat sur ce sujet. Euh, N'hésitez pas à, à vous signaler si vous avez envie de, de, de nous partager votre avis sur la liberté d'action autour d'une table. À quel point est-ce qu'on peut laisser la liberté aux, aux joueureuses autour d'une table J'en profite pour lire le, le dernier message du chat de, de Safien oui. qui dit on ne peut pas attendre la même chose de toutes les tables. Ah et bah ça, c'est hyper important, effectivement. Même euh, juste sur nos tables entre amis, pas comparer avec euh, telle et telle personne. C'était comme ça. Euh, moi, effectivement, sur le, le RP que j'ai, je, que je ne compare pas les gens euh, qui jouent depuis 30 ans avec ceux qui en jouent depuis, depuis deux. Mmh. Et encore que ce n'est pas forcément. Euh, la Parfois, de, le, de, de le, jeu de rôle. la différence entre les deux se fait. Enfin, assez rapidement, tu vois plus trop la différence entre les, les joueurs qui, euh, qui, qui débutent mais qui euh, sont à l'aise et se lancent dans le RP, euh, de ceux qui, qui, sont, euh, qui sont des vieux briscards du, du jeu de rôle. C'est assez rare, mais il y en a qui arrivent très bien mmh. et euh, qui se lancent très vite dans, dans le sujet. Et, euh, et quand ce n'est pas le cas, bah, il faut accompagner euh, dans un cadre absolument euh, le plus serein possible de ces gens-là, pour euh, leur permettre de s'exprimer autour de la table et d'exprimer aussi y leur y a... liberté d'action. Il peut y avoir des vieux briscards qui ne RP pas ou peu, parce que c'est pas leur manière de jouer aussi. Hein. C'est vrai que faire les. Il y a mille façons de, de jouer. Nous, on aime le, le RP tous les deux, c'est le cas de beaucoup de mmh. gens, mais aussi des gens qui veulent suivre l'aventure sans forcément incarner le personnage. Alors, je vois que Imagine ton aventure euh, est ah bah intéressée oui. euh, de nous donner son, son avis, même si c'est euh, davantage une joueuse solo, effectivement. Imagine ton aventure qu'on vous conseille d'aller suivre. Euh, et bah donc, oui. euh, bah je, je vais... Euh, J'avoue je... avoir pensé à elle. Ok, ça marche. Tu, tu ton peux prendre deux minutes, bah, on, on va, on va pouvoir ça. aborder un autre sujet puisque euh, la liberté d'action, elle peut aussi s'exprimer au travers de jeux qui sont euh, co-narratifs et dans lesquels il n'y a pas forcément euh, de MJ. On appelle ça euh, des jeux euh, d'ailleurs... Euh, comment on appelle ça déjà euh, Les jeux sans MJ euh... Je ne sais plus, il y a un nom ah, spécifique D'accord. Bah, tu vois. Je, bah, les, les, je ne sais pas. Des jeux un peu plus narrativistes hein, quelque part pour euh, pour aller dans cette euh, dans cette dimension là puisque nous on est quand même très jeu traditionnel mais euh, dans le narrati dans le narrativisme il y a aussi une notion de euh, limite de la liberté d'action euh, puisque euh, bah, en fait euh, toute la table doit composer avec l'histoire que va raconter euh, tout un chacun autour de la table et donc il est important au début de faire en tout cas un, un petit euh, un petit brief pour pour comment dire éviter les sorties de route et euh, éviter les choses qu'on ne veut pas autour de cette table-là. Il n'y a pas de MJ pour cadrer. Donc du coup et la plupart du temps dans ces jeux-là, on est sur une logique de oui et euh, ou de oui mais mais jamais de non. Euh, donc euh, on ne pourra pas dire non à une idée qui est proposée. Donc c'est essentiel au début de cadrer ce que chacun attend autour d'une table sur du narrativisme. Allô. Oui, est ce qu'on oui, entend. Oui, ça marche. Oui. <laughs> Je sélectionne la caméra. J'ai pris le numéro de mon conjoint. Merci. à vous. <laughs> Alors la, la caméra ne sera pas visible sur le sur le live. Hein. C'est juste pour okay. nous. Euh, si si tu mets la caméra, euh, mais en tout cas on t'entend sur le live. Euh, bonsoir à toi, comment vas-tu? Bonsoir, ça va, ça va. Alors, euh, il me fait plein d'options, je sais pas quoi, ok. <laughs> c'est bon, on est bon. C'est la soirée de la technique, hein. on l'a dit. Euh, voilà, on, on teste les, les, euh, les techniques de, euh, de Twitch. Donc, ouais, euh... je suis désolée, moi je suis une vieille de Twitch, donc je connaissais pas du tout ce truc non plus. Non, non, c'est tout récent, donc t'inquiète pas, on les teste. <laughs> Est-ce qu'on peut t'appeler Lisa, du coup, plutôt que d'imaginer oui, oui. ton aventure, parce que ça va être, ça va être plus, plus simple. simple. <laughs> Toi, tu voulais t'exprimer euh, sur la liberté d'action, euh, notamment par le, le, le biais du, du jeu solo mmh. que tu pratiques. Alors. Je ne vais pas avoir un avis qui est extrêmement expertisé, si je puis dire, puisque je ne suis pas la professionnelle des tables. Euh, mais j'ai quand même fait quelques tables et je me suis rendu compte que quand j'utilisais en fait les outils solo sur des tables, ça se passait mieux que quand je faisais un petit peu à l'ancienne, parce qu'en fait, le solo, il amène à l'association et à l'aléatoire. Et en fait, du coup, ça te permet, toi, en tant que MJ, de vachement lâcher les rênes derrière et d'avoir des joueurs qui peuvent aller dans tous les sens sans que tu paniques, sans que tu leur dises reviens sur le droit chemin de la campagne. Et en fait, tout le monde y gagnait un petit peu, quoi, entre le stress du MJ et les joueurs qui ont cette vraie sensation de liberté derrière. Ah, C'est super intéressant. Tu peux, euh, du, ouais, du coup, détailler un peu le, la défaut, les, les outils, mmh. ouais, le. Euh... Alors nous, ce qu'on utilise en solo, en fait, ce sont des événements qu'on va tirer sous forme de cartes, de tableaux, en fonction des. Il y a plein d'outils, il y a plein de marques. Hein, c'est comme le JDR. Et en fait, <laughs> en général, ça va te balancer un truc dans la gueule, mais c'est quelque chose qui est super adaptable. C'est-à-dire que si on prend le plus gros cliché et qu'on te dit attention, tu te fais agresser, bah si t'es dans une ruelle, c'est un voyou qui va vouloir te détrousser. Si t'es dans la forêt, okay. c'est un ours qui va vouloir te manger. Si tu es dans un donjon, euh, c'est, euh, je sais pas, un squelette euh, qui sort d'un mur pour t'attraper. Donc, en fait, automatiquement, ton cerveau, il est capable d'adapter la situation en fonction euh, voilà de, de ce qui pourrait être plausible. Ça se fait très naturellement. On a un cerveau qui est fait pour ça. Autant sur une page blanche, tout le monde, euh, on est les mêmes, hein, on pleure, on sait pas quoi faire. Si tu dis, vas-y, fais un scénar, tout le monde chiale. Tu vois, mais si je te dis, euh, euh, tu es dans un désert et il se passe un truc rouge chaud on va tous ouais. avoir une autre idée qui pop mais on a une idée qui pop eh bah ben oui et puis euh, c'est en fait euh, le principe le cerveau n'aime pas le vide donc à chaque fois il va essayer mmh. de combler donc c'est comme quand on donne une une description qui est extrêmement minimaliste avec euh, un seul quasiment un seul mot clé dans la description le, le cerveau va imaginer tout le reste autour de autour de ce mot là et autour de la pièce pour euh, imaginer le, le lieu dans lequel tu es donc euh, ouais, ouais je vois Exactement. En fait, on utilise vraiment ce biais-là qui fait qu'il faut prendre la première idée qui va te traverser l'esprit, quitte à l'améliorer un petit peu, mais globalement, tu la choppes. Et, euh, et du coup, bah, tu as plein d'événements comme ça. Et le principe du solo, c'est que tu n'as pas des événements qui sont extrêmement précis. Genre, quelqu'un va te trahir, ouais. bah, ça peut être n'importe qui, ça s'adapte à toutes les parties, quel que soit le thème en fait. Et du coup, quand tu es MJ sur une table, parce que moi avant je faisais comme tout le monde, je préparais ma petite session, je me faisais chier, et puis ils respectent rien, et puis moi je joue avec des adolescents, donc t'as juste envie de les lancer contre les murs tellement tout ce qu'ils veulent faire c'est brûler des villages. Alors j'ai envie de dire que ça c'est valable même si tu ne joues pas avec des adolescents, si tu les côtoies juste envie de les jeter contre des murs. Désolé aux adolescents qui nous écoutent et du coup, bon bah voilà, vous voyez le, vous voyez le concept et le fait de, de lâcher les rênes. Ce que je fais maintenant, c'est que ben, bah, je prépare juste le terrain, je prépare mmh. ma map, je prépare quelques PNJ à l'avance dans le sens où ils sont pas, euh, tu vois, genre hyper précis avec une charge, euh, genre ils vont devoir faire ça. Mais juste que je sais que voilà, j'ai un mec qui ressemble un peu à ça, qui a un peu cette personnalité et puis je vais venir le piocher quand j'en ai besoin. Et en fait, bah, je leur dis, bah, qu'est-ce que vous faites Et puis en fonction, je vais un peu tirer des cartes. Moi, je tire des cartes où il va y avoir marqué bah, il se passe à peu près ça je vais arranger avec la situation. Et en fait, eux, euh, littéralement, ça va les occuper dix minutes. Ça te laisse largement, ouais. en tant que MG, je trouve le temps de réfléchir parce que quand les situations, elles sont un peu dingues, tes joueurs, ils sont dingos et ils passent du temps à s'embrouiller entre eux et à trouver quoi faire. Donc, tu as le temps de réfléchir. Et voilà, on va jouer sur ce truc-là tout le temps. Quoi. Donc en fait, toi, ta ah oui. technique, si, si on devait la résumer, c'est euh, un peu la technique de la pelote de laine. Quoi. Tu, tu prends une pelote de laine et à partir de cette pelote de laine qui est euh, une agression, euh, tu, tu, vas, tu vas tirer derrière euh, le, le fil de ta pelote de laine pour, pour que tout se déroule et que euh, derrière, tu te dises, bon, bah ok, c'est dans une ruelle, donc c'est un agresseur avec un couteau, etc. Quoi. Et ouais, mais ça marche. En fait, ça marche parce que ça paraît plausible à tout le monde. Le, que, quand tu fais du solo, quand les gens ils jouent au début, ils se disent c'est trop bizarre parce qu'on dirait que les gens ils ont mis les cartes dans l'ordre. Tu vois, quand ah je oui. les tire, on dirait qu'on me les a préparés pour que ça colle avec mon histoire. Sauf qu'en fait, c'est que le biais du cerveau. Et en tant que ah MJ, oui. ça marche full aussi. Et ça t'enlève un peu toute cette charge-là. Ok, ouais, c'est hyper intéressant en termes de liberté, en termes de rythme, en termes de place laissée à à la con narration, je ne mmh. connaissais pas et je trouve ça hyper, hyper intéressant. Et du coup, c'est un jeu de cartes spécifique que tu utilises euh... Alors, c'est le mien euh, que j'ai créé parce que ah, oui. j'ai utilisé beaucoup de solutions américaines, en fait, parce qu'ils sont un peu plus en avant que nous. Okay. Et euh, du coup, derrière, euh, bah, en français, il y avait beaucoup moins de choses et il y avait des choses un peu moins structurées. Et en fait... C'est toujours le bon plan quand tu dis, putain, je sais ce que je veux, mais ça n'existe pas. <laughs> c'est que tu dois pas être le seul à te dire que ça te manque. Et voilà. Et euh, bah du coup, petit instant promo, est-ce que tu as, as envie de, de nous en parler un peu de ce, de ce jeu de cartes Comment est-ce qu'il s'appelle Où est-ce qu'on peut le retrouver euh... Alors, c'est la solothésie, j'ai appelé ça comme ça et euh, bah, ça permet de jouer tu prends la bonne période qui correspond hein, parce que tu vois si tu fais du contemporain tu vas être plus dans de l'enquête tu vas être plus dans des conflits politiques ce genre okay. de choses alors que quand tu fais du fan en général tu vas avoir plus de magie plus d'exploration donc tu prends juste la période mais après ça, ça s'associe excuse-moi avec tous les jeux de rôle que tu veux ok parce que ce qui se passe c'est que euh, c'est voilà que des pistes d'événements et toi tu vas les associer donc en fait ça marche avec tout et c'est un peu le bonheur du solo euh, bah c'est que quand il y a un jeu qui te branche tu le prends tu le joues quoi et après tu peux devenir MJ dessus tu peux euh, voilà et puis c'est le gros avantage c'est quand tu du dis, planning que... du calendrier ouais, pour réunir ça. les gens tu pas besoin <laughs> d'attendre que tout le monde soit soit dispo pour, pour lancer une partie quoi c'est juste tu as un peu de temps ce soir tu es motivé tu peux le lancer direct quoi et tu peux jouer que 20 minutes aussi, quoi. Parce que c'est vrai que, quand les 3 heures, enfin, moi, quand j'ai découvert le solo, c'est parce que, genre, j'ai des enfants, euh, c'est vachement dur de dire à ton conjoint, euh, toutes les semaines, je vais me barrer pendant 4 heures. Euh, tu vois, c'est pas évident d'un point de vue planning à, à faire. Et il y a aussi un peu ce côté égoïste qui fait que quand tu joues en solo, t'as le droit de faire des trucs que t'es pas censé faire à une table par respect pour les joueurs. Ah, bah oui. Évidemment, Genre tu, peux, tu peux explorer d'autres choses, quoi. Mm -hmm. Mais du coup, c'est bien lorsque tu dis être chiant, mais t'es chiant <laughs> pour. Toi-même, au final. <laughs> du coup, t'es pas chiant Toi, tu kiffes, mais t'en merde personne. Enfin, moi, je eh sais bah oui. que c'est. Je fais hyper gaffe, par exemple, si je suis à une table à faire attention au temps de parole de chacun, à mmh. aider les gens à parler. Enfin, genre, c'est le rôle de chaque joueur, et c'est tout à fait normal. Euh, mais euh, des fois, euh, je... l'exemple que j'aime bien, c'est le Dark Sasuke. Tu vois, genre, il y a plein de gens ah qui oui. ont envie de jouer à Dark Sasuke, mais il est horrible à table. Il fait chier tout le monde. Et puis c'est surtout absolument... que tu peux pas en avoir plusieurs dans un groupe, un hein, Dark Sasuke, vaut mieux pas. Non mais as ton... <laughs> tu pleures, quoi. il a envie de rien faire, il est en dépression, enfin t'as pas envie de jouer. Avec bah, ça. Surtout si c'est avec des adolescents, j'imagine que déjà de base ils sont Dark Sasuke, donc si en plus oui. ils doivent le jouer, c'est terrible. <laughs> le RP de l'ennui. <laughs> Par contre quand tu es en solo, comme tu peux te poser sur un peu les sentiments, en solo en fait on écrit. Plus que on va pas parler, puisqu'on est tout seul. Et là, on peut jouer un peu le côté roman, tu vois, où on peut dire je ressens ça. Et le Dark Sasuke, c'est un personnage qui est intéressant dans le ressenti. Mais okay. d'un point de vue extérieur, il casse les noix, quoi. C'est ouais. tout, le point barre. Donc, Mais effectivement, ressenti, sur un ouais, jeu très introspectif, ça peut être ça peut être bien. Mais par contre, sur un jeu, effectivement, style donjon et dragon il n'y a aucun intérêt parce que les autres, enfin, en fait, il va juste s'exclure de lui-même euh, du jeu de groupe, quoi. Quelque part. C'est ça, quand tu es le que tu es censé leur dire Allez, vous voulez pas jouer un peu Essayez d'y aller parce que vraiment, cette poule qui parle, c'est intéressant. Bon, voilà. C'est vrai qu'une poule qui parle. Non, bah, parfait, super. C'est un angle différent, mais qui rejoint pas mal de jeux de rôle en groupe autour de la table. De toute façon, le jeu de rôle solo, alors nous, de notre côté, on connaît très peu parce que tu sais, nous, on est. On est un peu des vieux cons qui pratiquent le jeu de rôle avec des dés euh, et euh, qui, le font, qui le faisons à, à plusieurs autour d'une table. Mais euh, ce serait très intéressant qu'à qu l'avenir, on t'invite aussi pour une émission, euh, peut-être tourner autour du, du, du jeu de rôle solo pour que tu nous en parles un peu plus, que tu euh, nous instruises sur, euh, sur ça. Euh, si si tu es partante hein, à l'occasion, euh, bah. on pourra caler ça clairement parce que il euh, y a un truc un peu triste avec le solo c'est que il euh, y a une sorte de compétition avec le multi tu vois genre c'est triste mm. de jouer seul c'est mais euh, tu as l'impression qu'il y a beaucoup euh, un choix à faire alors que pas du tout la plupart des gens euh, j'ai plutôt une grosse commu donc il mm. y a quand même beaucoup de gens qui sont intéressés et c'est pas des gens qui vont pas jouer à table, c'est juste qu'ils ont aussi envie de jouer à d'autres trucs, jouer plus souvent. C'est ça, là, le, le temps de jeu est pas, est pas le même, donc il est pas mis en compétition quelque part Quand tu joues tout seul, c'est que t'as pas le temps de jouer à plusieurs, et inversement, quand tu joues Ou à plusieurs, euh, plus. euh, oui, peut-être aussi, ouais, effectivement. Ouais. Oh, très bien. Non, bah parfait, il ouais, faudra qu'on qu fasse ça. On se le calera, Basile, dans les thématiques euh, à venir euh, pour les prochaines émissions. Euh... C'est déjà noté et j'ai pensé à une thématique ah, là, 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 il est bon. le jeu de rôle autrement, avec le jeu de rôle solo et le jeu de rôle textuel asynchrone. Avec, avec minimal avec, euh, roleplay. Minimal roleplay, je pense que ça pourrait se, re se rejoindre et être assez intéressant. C'est parfait, bah, on fera ça dans une prochaine émission. Euh, ça va déjà être la fin de notre, de notre première émission Oh donc, bah Lisa. mince! Bah oui, mais c'était aussi un plaisir de, de te recevoir Lisa. Euh, on va te, on va te remercier, puis on va, on va conclure cette émission. Merci encore énormément d'avoir pris, euh, pris la parole parmi nous et d'avoir bravé les euh, problèmes techniques et euh, les, les <laughs> nouveautés de Twitch pour, euh, pour venir faire le ça avec téléphone nous Je même mon mari euh, pour son compte. <rire> <rire> Bah, la prochaine fois, si, si on fait comme ça une émission euh, avec euh, avec des invités, euh, si euh, si ce système-là n'est pas pratique pour toi, on trouvera le moyen de euh, de passer. Je outre. serai prête. Là, je me <laughs> dans mon lit et le sujet, je trouvais ça très intéressant. Tout. Bon, bah écoute, c'était un <laughs> plaisir de te recevoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à toi. Bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt. C'est déjà la fin de notre euh, émission. Oh bah salon. On espère que ça vous a plu en tout cas et on aura l'occasion de nous retrouver pour de prochaines euh, éditions hein, de cette émission. D'ailleurs, pour savoir euh, quand aura lieu notre prochaine émission, suivez-nous sur les réseaux. C'est quand même encore le meilleur moyen euh, de savoir quand on fait des lives. Vous pouvez aussi venir sur Discord. Comme on l'a dit, il y a une très belle ambiance. À cette, euh, à cette occasion hein, aussi, on, on en profite pour vous dire que vous pouvez nous envoyer euh, vos suggestions d'invités et ou de sujets que vous aimeriez voir dans cette émission, que ce soit euh, sur les réseaux sociaux ou sur euh, Discord ou par MP, hein, si jamais vous avez envie de nous, nous MP vos, vos idées, n'hésitez surtout pas. Et puis, euh, pensez également à aller nous mettre une bonne note si vous nous écoutez en podcast. Une, un petit 5 étoiles, hein, ce serait top. Voilà. Je voulais juste ajouter que pour nous, ce qui est important, c'est que ce qu'on peut appliquer au jeu de rôle ne se limite pas euh, aux compétences de gens qui font du jeu de rôle et qu'on espérera réussir à recevoir des gens qui viennent d'autres univers, mais qui pourront nous apporter des choses sur des techniques ou sur des façons de réfléchir, des façons de penser mmh. qu'on peut appliquer au jeu de rôle bah pour un peu élargir nos horizons et ne pas rester dans un entre-soi un entre-soi entre rôliste. Prenez soin de vous, amusez-vous, mais n'oubliez pas, les dés sont jetés et à la prochaine Ciao, ciao